Très bien, allons-y. Le fauve de Guyane est pressé d'en découdre. Mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien, tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé ! J'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais... Chacun a ses obligations. Je dois... m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors... Suis-moi, ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête! Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, allez ma fille, six, sept, huit, neuf et dix. Pas mal, mais ta fronde fait un bruit infernal. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez ? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a ? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite. Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lion ! Attends-moi ! Lion ! Un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lion ! Mais où il est ? Oh, tu es là. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là là ! Un sanglier ! Bravo, mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose ? Chut ! Venez voir, un sanglier. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher, mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Thank you.
il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non! Allez, lion! Ne le lâche pas! Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois! Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion! J'arrive, lion! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Le sanglier, il perd du sang. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Les arbres, qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion, reviens! Mais c'est le sanglier? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion, viens mon chien! Lion! Lion! Je suis là! J'arrive! Mon chien... Qui a fait ça? Diablerie. On rentre. Tout de suite. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Bah... Bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les nouveaux rivets. En fait, des nouvelles du bourg? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mordus dans la nuit. Un coup des Anglais, ça. Mais pourquoi les Anglais, ils mordraient des gens? Bah, je sais pas, moi, pour nous, ça paie le moral.
Oh, mademoiselle Amicia, déjà de retour? Théo, il y a une urgence. Réunis les autres et allez voir mon père dès que vous pouvez, c'est très pressé. D'accord. Au fait, j'ai installé les cibles derrière les tables pour vous entraîner à la fronde. Oh, bien, merci. Mademoiselle Amicia, avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, je leur dirai. Dont Théo m'a parlé. J'ai encore ma fronde. Prenez soin de Lyon, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés, même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. J'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait... Mère? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Lyon était là, par terre, puis il a été... Chut! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein? Pourquoi? Que se passe-t-il? Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour ?
Ça fait combien de temps qu'il est ici? 4 ans? 5 ans? Où est-il? Hugo? C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance! Il a parlé? Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman? Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Où ils l'ont planqué? Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, hey, toi, viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez perdu la... Oh, Gabriel, voilà. Amicia. Chut. Vous auriez dû nous livrer l'enfant. C'était pourtant simple. Oh non, Léa. De grâce, je ne sais pas. Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. On y va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Maman, elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Hé, hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous! Pitié! Ça sert à rien de supplier. Mais place-toi. Avancez. Ne regarde pas. Nous servons à tout dessin. Non, non. Je ne veux pas. Il faut qu'on avance. Où sont les écrits de ta maîtresse? Parle. N'oblige pas à te faire encore mal. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Dame Béatrice est une bonne âme. Bon, il reste encore des pièces à fouiller. Tuez-moi ça. Oh. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça? Mes enfants.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui, oui. Garde, faites attention aux issues. Personne ne sort d'ici vivant. Reste ici. Et pas un bruit surtout. C'est bon, Hugo. Oui. Ils sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. C'est qui? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Les fleurs? Oh! Va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. Soutirez-lui tout ce qu'il sait. Non. Pitié. Silence. Avance. On a réussi. Chut. Cachez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirai rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Oh. Je te l'ai... Hein? Ça a bougé, non? Ici, les intrus. Aller en enfer! Ah ouais! Après toi! Oh! Je te laisse quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est. Venez tous! On a des intrus par ici! Oh! Ils sont comme ma famille. Je dirai rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Oh. Je te l'ai. Allons voir ça de plus près. Sois sage et attends. D'accord. Je reste là. Je te laisse... C'est quoi? Ça a bougé, non? Hé, hey, vous là! Je vais vous apprendre les bonnes manières! On a réussi. Chut! Cachez-vous! J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirai rien. Allez en enfer! Ah ouais! Après toi! Je te laisse réfléchir. Maintenant! Toi! Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... des lâches. Des pourritures. Oh, ça c'est pas gentil. Il faut passer. Tu sais, Amicia, si ton aide ton frère. Je vais te porter. On en d'accord, sera d'accord. Hein? Attention, descendant. Oh, oui. Dents contre l'Inquisition, alors que notre but est énorme. Un gamin et deux ou trois gueux qui les regardent comme ça. Attention.
Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher le casque dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ce bruit. Bien, ça venait de là-bas, on y va. Je crois. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas se occupe. Il n'est pas le bras armé du groupe. Faut que je me calme. Pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins, il a eu le père. Et d'ici peu, il aura le fils. Mère, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Je t'expliquerai. D'abord, sortons d'ici. Hein? C'est quoi, ça? Non, Amicia. Ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai. Il faut que je voie ce que c'était. J'étais pourtant sûr. Non. Ça continue. Il faut que... Il y a des petits malins par ici. Trouvez-les! Continuez à chercher. Ouvrez les yeux. Vous! Par ici, les gars! Enfin! Vous étiez prévenus. On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché quelque part. J'aurais dû être bourreau. Il y a toujours du travail. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Allez. Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens bien ma main. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord? D'accord. Allez, mon grand. Bravo! Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Pitié! Pitié! On attend. Mais demandez grâce! Ne fais pas courir plus vite, mon ami! Allez, venez! Hein? Suivez-moi! Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ah, ma tête... Maman... Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Tu peux venir? J'arrive. Voilà. Merci. Passer.
est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Ça a bougé par là, je suis pas fou. Hé, vous là, bougez plus. Qu'est-ce que c'était? Alors, t'es où, salopard? Alors, vous étiez caché. Passer, c'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. D'accord. C'est bon. C'est quoi ce vacarme? Ça là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, hey, arrêtez-vous! Vous irez nulle part! J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va voir. C'était quoi? Je dois les prévenir. Psst. Venez, on arrive. Allez, allez, vite. Bravo. Bon. Par ici. C'était rien. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. Épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Nous. Oui, mais on attendra qu'ils repartent. D'accord, je m'en occupe.
Bon. C'était quoi ce bruit ? Ici. Suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, ils arrivent. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Alicia. Tu es... Si, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Ne t'arrête pas! Ils sont juste derrière nous! C'est quoi ces tremblements? Tout droit!